Et si ça passe, c'est la justice et nos droits communs qui sont piétinés. C'est la justice et nos droits communs qui sont piétinés. C'est la justice et nos droits qui sont piétinés. C'est la justice et nos droits communs qui sont piétinés. Et alors c'est tout notre système judiciaire qui dit à la police, vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez comme vous le voulez, et nous on vous couvre. Ça veut dire que la police a le droit de tuer nos enfants simplement parce qu'on essaye d'échapper à un contrôle routier par exemple. Et si ça passe, c'est toutes les valeurs et l'équilibre de notre justice qui s'écroulent. C'est toutes les valeurs et l'équilibre de notre justice qui s'écroulent. C'est toutes les valeurs et l'équilibre de notre justice qui s'écroulent. C'est toutes nos valeurs qui s'écroulent. C'est toutes les valeurs et l'équilibre de notre justice qui s'écroulent. La question est si ça passe. Pour moi, si le policier est acquitté dans cette affaire, alors tous les policiers pourront agir en toute impunité en pensant qu'ils seront tous acquittés. C'est que la police a tous les droits et qu'elle peut nous imposer ce qu'elle veut. Ça signifie que justice ne sera jamais faite pour la famille. Cela signifie que justice ne sera jamais faite pour la famille. Cela signifie que justice ne sera jamais faite pour la famille. Nous réclamons, nous exigeons la justice pour Maouda. Et si la police est acquittée, je dirais cette phrase. Un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. Justice pour Maouda. Ça veut dire tout simplement que l'âme innocente d'une petite fillette de 2 ans a moins de poids aux yeux de la justice des hommes que l'honneur pourtant taché d'un serviteur officiel de l'État. En effet, si ça passe, cet événement va légitimer une politique qui criminalise des innocents jusqu'à les déshumaniser, littéralement, jusqu'à conduire certains policiers à tirer dessus, à coups de balles réelles, à les assassiner, avec dans la tête la croyance qu'ils sont en train de rétablir l'ordre, de remettre de la propreté en éliminant des gens qui salissent, si jamais ils devaient les éliminer. Si ça passe, en effet, on aura une justice qui penche, cette fois encore, du côté d'une violence disproportionnée, injuste, injustifiable et injustifiée, au lieu de défendre la cause de personnes qui sont en danger, danger de leur vie, qui sont à la recherche d'un abri et d'un minimum de dignité pour survivre.